Good morning, allez Yiden, les tutors aujourd'hui, le Nishmat Avram Chayen Orber Ben Fortune, Mazal Yedé, Dabatasar Yakovin, Semen Chana Machlouf, Micha Ben Masouda, Moshe Ben Eliaou Vanish, et Michou Michel Esther, Bat Arlette Maïsa. Si vous souhaitez, vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, qu'on est 5 minutes éternelles, nous étudions Mesachet Ketout, Perike, Mishnah Bet. Rabbi Akiva, Mechayev, Al Svek Me'ilot, Hacham Talou, Al Svek Me'ilot, Hacham Talou. La Chachamim Potrim, au modè, Rabbi Akiva. Chez mevi et meilato achitit vadalo, yavi ima asham vadai. Amar bitarfon, malaze mevi shte ashamot, el yavi meila vechumcha, yavi asham bishneslaim, yomar im vadai maalti zo meilati veze ashami, im safek, amot nedava ve asham talui. Chez minchou mevi al hoda, mevi al lo hoda. On va commencer dans notre Mishnah à parler. On va recommencer à parler du Hacham Talouï. Entre parenthèses, c'est une question que j'ai pas trouvé de réponse, qui me dérange beaucoup. Dans le Perek d'Alet, on a parlé longuement du Hacham Talouï. Et puis, on va, depuis la Mishnah Bet ici, on va se mettre à parler l'histoire de la Mishnah précédente du sang, sur quel type de sang on est Khayav. Elle était vraiment. Elle est venue se caser à une place qu'il fallait vraiment pas. C'est en rapport avec Ketout, il n'y a pas de problème. Mais c'est un mauvais moment. J'ai pas trouvé de réponse, personne n'a soulevé la question en fait. On a parlé, donc, je reviens concrètement sur le Hacham Talouï. Je vais rappeler, peut-être je fais une introduction en fait sur tous les Hachamot, parce qu'on va parler de Hacham Meilot et Hacham Talouï. On va jouer entre les deux, donc je préfère introduire d'abord un petit peu les Mishnayot. On a pris dans Masechet Zvachim, la Mishnah qu'on lit tous les matins, ceux qui lisent les Korbanot, et c'est bien de lire les Korbanot, dans le périg de Ezehu Mekoman Shel Zvachim, là-bas on a dit Ve Elouhen Hachamot, Hacham Gezelot, Hacham Meilot, Hacham Shifra, Chamoufa, Hacham Nazir, Hacham Betzora, Hacham Talouï. Il y a 6 Korban Hacham, 6 causes pour lesquelles on apporte un Korban Hacham. Je traduis, Hacham Gzelot, c'est lorsqu'on a volé en mentant. J'étais un gardien, j'ai menti, et puis j'ai juré à tort, d'apporter un korban Hacham Gzelot. Je dois rendre l'argent, rajouter un cinquième, et apporter un korban en expiation parce que j'ai juré à faux. Hacham Gzelot. Hacham Me'ilot, c'est, on va parler dans la Mishnah justement, Hacham Me'ilot, c'est le korban Hacham qu'on apporte lorsqu'on a fait un sacrilège, littéralement. C'est-à-dire qu'on a utilisé l'argent qui apportait nos Hekdesh. On avait un bien qui était Kadosh, on en a tiré profit. Hacham Gzelot. Hacham Shifra Haoufa. Celui-là, la troisième, Shifra Khaoufa, c'est la fameuse femme, moitié servante, moitié libre, qui était mariée à un homme, et qu'on a eu un rapport avec elle, on doit apporter un korban Hacham aussi, c'est Hacham Shifra Khaoufa, on l'a expliqué là où on l'avait déjà rencontré. À part ça, il y en a encore deux autres, c'est Hacham Nazir et Hacham Metzora, ce sont deux personnes, le Nazir, celui qui doit se laisser poser les cheveux pendant 30 jours, et ne pas boire de vin, et ne pas entrer au cimetière, lorsqu'il finit sa kapara, il doit porter un korban Hacham, Hacham Nazir. Hacham Me'ilot et Hacham Metzora, c'est le Metzora, c'est le lépreux, lorsqu'il finit sa purification, il doit apporter lui aussi un korban Hacham. Regardez, c'est deux groupes différents. 3 sur 3 fautes. 2 sur... C'est un rituel pour finir une purification. Et à le Hacham Talouï, lui, il est complètement différent. Hacham Talouï, il vient pas pour une cause précise, il vient en rapport avec toute la Averot. Concrètement, on l'a déjà rencontré à chaque fois qu'on l'a évoqué, on a évoqué sur une faute sur laquelle on est passé d'un korban Khatat lorsqu'on est bébé Shogeg. Lorsqu'on a certainement transgressé un korban Khatat, si on a un doute, il faudra porter un korban Hacham Talouï. À la différence des 5 premiers, si vous regardez même dans les Ashkenazim qui disent avec les voyelles, en prononçant, en différenciant le patar du komet, du kamatz, regardez là-bas, il y a marqué Hacham, Hacham Gzelot, Hacham Milot, Hacham Shifra, tout en patar. Mais lorsqu'on arrive à Hacham Talouï, c'est Hacham Talouï, avec tout en kamatz. Parce que réellement, hein, le mot Talouï, c'est un toar, c'est un adjectif. C'est plus une smichut, c'est pas le Hacham de telle personne ou le Hacham de telle personne. C'est le Hacham qui est lui-même qui fait suspendre la virut. C'est plus une smichut. C'est pour ça que le nikoud est différent. Les voyelles sont différentes. Enfin, on va pas faire de cours de grammaire, mais on va plutôt se concentrer sur notre Mishnah. Deux sujets qui m'intéressent. Tout d'abord, on a dit le Korban Hacham Talouï, on l'apporte sur le fait que l'on a transgressé une avéra sur laquelle on est passé loin. Mezid Karet. Shogeg, Khatat, lorsqu'on fait consciemment une grave avéra, on est passé d'un Khayov Karet. Beshogeg, lorsqu'on a fait par inadvertance, on doit apporter un korban Khatat. Si on a un doute, est-ce qu'on a transgressé ou non, alors la Torah, elle nous a soit imposé, soit laissé la possibilité, on verra, on en reparlera plus tard, d'apporter un korban Hacham Talouï. Il y a, dans certaines configurations, Madaï, une obligation d'apporter un korban Hacham Talouï. Si c'est Khatiram, j'étais Khatirot, comme on l'a expliqué dans le troisième Perek. On a un doute, il y avait deux. On a toujours évoqué le cas du. Un morceau de graisse interdite avec un morceau de graisse permise. J'ai pris un des deux pour me faire un sandwich et je ne sais plus lequel des deux j'ai mangé. D'accord, j'ai un doute, je dois porter un korban Hacham. Ça, c'était l'introduction générale au korban Hacham, notion qu'on connaissait déjà.
sur du Hacham Taloui. Et maintenant, à part ça, Chachamim pense, ce qu'on va voir tout de suite, c'est la raison pour laquelle Chachamim Potrim, il pense que, comme ce qu'on a toujours dit, que on apporte un korban Hacham Taloui que lorsqu'on a transgressé une faute, lorsqu'on a un doute, est-ce qu'on a transgressé une faute sur laquelle on a passé un korban Khatat. Ok? C'est déduit ça d'un pasouk qui a marqué mitzvat mitzvat, il y a une mitzvah shava, il y a marqué mitzvat, asahat mikol zot asher lot asena, c'est dit sur le pasouk, sur le korban khatat, et là il y a marqué aussi le mot mitzvat, on apprend par juxtaposition mitzvat mitzvat, et on déduit de là qu'on est passible d'un korban asham talui que sur une faute sur laquelle il y a un khriv khatat. Rabbi Akiva lui vient et me dit non, pas que, il y a encore une autre raison, un autre type de transgression, si tu as un doute, tu devrais quand même apporter un korban Hacham Taloui, qui sera le, si tu as un doute sur le Hacham Me'ilot. Hacham Me'ilot, c'est quoi? Hacham Me'ilot, on dit, c'est lorsqu'on a fait un sacrilège. On a tiré profit d'un bien qui appartenait au Batamigdash. J'ai sanctifié mon stylo au Batamigdash. Il est resté chez moi le temps que je l'apporte, j'ai oublié, je l'ai utilisé. Alors, selon le cas, si je tire un grand profit, c'est la Masechet Me'ilah, on parle longuement de tout ça. Alors je devrais apporter un korban Hacham Me'ilot et payer aussi la valeur de ce que j'ai profité, en rajoutant aussi un cinquième. Ça c'est le Hacham Me'ilot. Lorsqu'on a un doute, est-ce qu'on a transgressé ou non un korban, une avéra de sacrilège. Alors Rabbi Akiva déduit lui que bah, tu dois aussi apporter un korban Hacham Taloui sur ce doute-là. Rabbi Akiva n'a pas l'exorchava de mitzot mitzot, d'accord? Et tandis que Rami me disent non. Il faut nécessairement quelque chose sur laquelle on est passible d'un kriouv karet. Ouais. Et que dans le doute, et dans par pas inadvertance, c'est un kriouv ratat, alors là tu dois apporter un korban à Chamelot. C'est une question, comment déduire ça des psukim. Tout simplement, rien de plus. Ok. Voilà pour la première, on traduit ça dans le mot. Rabbi Akiva Mechayev al Sfek Me'ilot Hacham Taloui. Rabbi Akiva rendait passible d'apporter sur une transgression de Safek Me'ilot. Safek. Sur un sacrilège, un doute sur un sacrilège, il rendait passible d'apporter un korban Hacham Taloui. Va Chachamim Potrim. Et Chachamim dispense. Maintenant, autre précision, sans introduction d'abord traduit, après j'explique autre chose. Vous modé Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva reconnaît que chez En Mevi et Meilato, Hachetit Vadalo, il est vrai, je traduis d'abord, qu'il ne devra pas apporter sa Meila, il ne devra pas apporter rembourser son argent. Hachetit Vadalo, jusqu'à qu'il sache. C'est-à-dire, il y a quelque chose d'un petit peu délicat. Veyavi Imacham Vadai, et alors il devra apporter un korban Hacham Vadai. Il y a quelque chose d'assez original, et ça, d'ailleurs, ça va être l'objection qu'il va avoir à Bitafon tout de suite, que dans quelques secondes. Mais que, il y a quelque chose d'assez original. Apporter un korban Hacham, ça signifie que je dois apporter un bélier. Ouais, Aïl, c'est toujours précisé. Maintenant, il s'avère que, regardez, quelque chose de très original. Lorsque j'ai transgressé Bemezid, lorsque j'ai transgressé, et que c'est sûr que j'ai transgressé, je dois apporter un korban Hacham Vadai. Lorsque j'ai un doute, je dois apporter un korban Hacham Taloui. Maintenant, il y a quelque chose de très original, c'est le même korban. C'est-à-dire, par rapport à une transgression de Khatat, comme ce qu'il pense Rachamim, je ne sais plus est-ce que j'ai transgressé Shabbat ou non. Je ne sais plus est-ce que j'ai mangé une graisse interdite ou non. Si je savais, je devrais apporter un korban khatat. Apporter un korban khatat, c'est un rituel très spécial, spécifique au khatat. Apporter une femelle qui se bat au seira, et le korban khatat, il faut aller asperger le sang, il ne faut pas asperger le sang, il faut donner le sang sur les quatre coins du misbéach, c'est un rituel spécial. Dans le doute, la Torah nous dit, tu sais quoi, tu apportes un cham, cette fois-ci, c'est plus une femelle, c'est un mâle, tu devras apporter un haïl, et tu devras, la manière d'asperger le sang sur le misbéach sera différente, ce sera... il faudra se purger Shtaim Shanarba, donner du sang en bas, sans monter sur le kevesh, sur la rampe. C'est un autre rituel. Donc en fait, la Torah elle m'a dit, bon, lorsque tu as le doute, amen, le Hacham Taloui, lorsque finalement tu vas réaliser ton erreur, elle va t'apporter ton korban khatat. Là, c'est clair. Tout va très bien. Mais dans le Hacham Me'ilot, il y a quelque chose d'original selon Rabbi Akiva. Lorsque je transgresse, tu me demandes d'apporter un il. Lorsque je transgresse... Lorsque j'ai un doute, est-ce que j'ai transgressé, tu me demandes aussi d'apporter un il, un bélier. Alors quoi? Amène le même bélier et dispense directement ton obligation d'apporter le bélier, finalement. Ouais, c'est le même korban, alors quoi? Imaginez que j'apportais, en fait, imaginez, j'avais un doute, j'ai apporté mon korban à Hacham Taloui. Et finalement, je réalise mon erreur, alors quoi? J'ai déjà apporté le korban. Tu m'as demandé d'apporter une deuxième fois le korban. C'est un peu...
une situation un petit peu originale. Et Rabbi Akiva a dit, effectivement, tu dois apporter un deuxième korban. Parce qu'il y a quand même une différence fondamentale. Si tu as certainement transgressé, il n'y a pas de doute que tu as transgressé, alors tu devras apporter le korban à Sham Me'ilot. Tu devras d'abord aller payer le sacrilège au Bet Amigdash. Tu as tiré profit d'un objet qui coûtait 100 shekels, tu rembourses les 100 shekels et tu payes même le cinquième, qui est en fait le quart, tu rajoutes 25. Ouais. Alors que là, tu as un doute. Dans le doute, tu ne payes pas. Tu apportes aussi, mais tu apportes ton korban à Sham Me'ilot, à Sham Talouy. D'accord? Et lorsque tu réaliseras ton erreur, alors là, tu devras expier maintenant une autre situation. Que maintenant, c'est sûr que tu as transgressé. Le premier korban que tu as fait, ça ne marchait pas parce que tu n'avais pas encore remboursé ton sacrilège. Donc de ce fait, tu devras maintenant payer ton profit du Hekdesh et après apporter ton korban. D'accord? Donc c'est ce qui nous explique, c'est ce qui me précise Rabbi Akiva en fait. C'est un peu implicite. Il me dit, il reconnaît Rabbi Akiva que pour le moment, je t'ai dit d'apporter un korban à Sham Talouy, mais tu n'auras pas besoin de payer le sacrilège. Et de ce fait, ouais, l'autre revers de la médaille, c'est que lorsque tu réaliseras que tu as réellement fait la faute, tu devras de nouveau payer et apporter un nouveau korban. Je refais ça à Rabbi, dans les mots. On modère Rabbi Akiva. Rabbi Akiva reconnaît que que pour le moment, dans le doute, il n'a pas besoin de payer les frais du sacrilège qu'il a fait. Jusqu'à qu'il sache qu'il a effectivement transgressé. Et alors dans ce cas-là, et alors il devra enfin porter son korban Hacham Vadaï, le Hacham sur la transgression certaine. Le Hacham Meilot. Il apportera un deuxième korban. C'est clair? Ok. Petite pause maintenant pour vous préciser quelque chose de très important. Que pour le Hacham Talouy, la Torah elle a fixé un prix minimal à payer pour le korban. Deux slaïm. Pour un Hacham Me'ilot, alors pour l'Hacham Me'ilot, il n'y a pas de prix. C'est-à-dire, si pour un Hacham Me'ilot, je vais apporter un bélier, si j'ai réussi à obtenir un bélier à 5 shekels, ben je peux l'apporter. Alors que si je dois apporter un korban Hacham Talouy, figurez-vous que ça ne suffit pas. Non, il ne faut pas à 5 shekels, il faut que tu ailles chercher un bélier qui coûte au moins 2 slaïm. Je ne sais pas combien ça correspond, mais en tout cas, c'est une somme beaucoup plus conséquente. Ok, je referme la parenthèse et puis maintenant on attaque tout de suite la Mishnah, vous allez comprendre l'objection de Rabbi Tarfon. Amar Rabbi Tarfon, vous vous rappelez, juste, pour Rabbi Akiva, on se retrouve dans une situation un petit peu, si je peux dire, absurde. Que tu as porté deux fois un korban Hacham sur une même faute. Mais Rabbi Akiva, il a justifié de quelle manière? En disant, qu'est-ce que je peux faire? T'apportes le premier parce que tu as un doute, t'apportes le premier korban parce que tu as un doute, mais ce premier korban que tu apportes ne peut pas marcher pour fonctionner, pour expier la vraie faute que tu as fait, parce que pour te faire expier la faute, il faut que tu payes. Or, tu n'as pas encore payé. Donc, quand tu payeras, tu apporteras une deuxième fois un korban Hacham. Sur ça, vient Rabbi Tarfon et objecte. Amar Rabbi Tarfon, il a dit Rabbi Tarfon. Malazé mevishte Hachamot. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi a-t-il besoin d'apporter deux fois un korban Hacham? C'est inutile. J'ai une autre solution pour lui. Et là, Yavi Meila Vechumcha. Il devra tout de suite, il apportera depuis le premier doute qu'il a. Il devra apporter un korban, il devra rembourser le sacrilège, l'argent de la Meila. On a dit 100 shekels, donc 125. Vechumcha est le cinquième, c'est le cinquième qu'il doit rajouter. Donc il payera tout de suite les 125. Veyavi Hacham Bishne Slaim. Et en plus de ça, il apportera aussi un korban Hacham qui vaut 2 Slaim. Parce que dans le doute, en fait, ce qu'il veut faire, Rabbi Tarfon, vous avez compris, il veut le couvrir que assure tes arrières, fais une seule expiation, que de deux choses l'une, tu résous le problème. Si c'était un korban, si finalement tu ne sauras jamais ce que tu as transgressé réellement, donc ton devoir c'est d'apporter un Hacham Talouy, donc c'est pour ça prend un Hacham qui coûte 2 slime. Mais peut-être qu'un jour tu réaliseras ton erreur, alors assure tes arrières, amène l'argent du sacrilège, et fais le cadeau quelque part à la trésorerie du Bet HaMikdash en leur disant que, dans le doute, soit tu le fais cadeau, soit tu rembourses une dette. Et tu dis, Veyomar, et tu dis comme ça, Im vadai malti, si j'ai réellement transgressé et fait ce sacrilège, alors sache, monsieur le trésorier du Bet HaMikdash, Zomeilati, Veze Hachami. Tel est ma Meila, l'argent que je rembourse du sacrilège, Veze Hachami, et telle est mon expiation. Prends le korban et apporte le korban, pas en Hacham Talouy, en guise de Hacham Talouy, mais en guise de Hacham Vadaï. Ah, pourquoi tu m'as demandé d'apporter de slime? C'est pas grave, c'est pas. Si j'ai pris un korban qui coûte plus cher, c'est pas grave. Veim Safek, et si toute ma vie je vais rester en situation de Safek, que jamais je ne saurai, eh bien, Amaot Nedava, l'argent il sera cadeau pour le Bet HaMikdash. Ve'acham talouy, et ve'acham talouy, et le Hacham, il sera un korban Hacham talouy. Il restera pour expier la faute dans le doute. D'accord? Et dans ce cas-là, c'est pour ça qu'il fallait qu'il vale deux slaïm.
Shemimin sheu mevi al hoda, mevi al lo hoda. Car, en l'occurrence, de la même espèce qu'il apporte lorsqu'il sait, il devra apporter lorsqu'il ne sait pas. C'est-à-dire, on a l'avantage cette fois-ci que c'est la même espèce d'animal, le même bélier, il est capable d'expier à la fois en Hacham Vadaï et Hacham Talohu. Donc, Rabbi Tarfon dit à Rabbi Akiva, pourquoi apporter deux fois un korban pour une même faute? Apporte une fois le korban. Ah, il y a un problème, que ça ne va pas dispenser la Meïla parce qu'il n'a pas payé, ben demande-lui de payer, et au pire, il fait l'argent cadeau. Ok? Bien sûr, Rabbi Akiva va revenir à la charge. Je ne sais pas pourquoi cette Mishnah, elle a été coupée en deux. Et là, vous voyez la Mishnah Gimel, ce sera le prochain shiur. Donc, suite de cette discussion à la prochaine Mishnah. Pour moi, ça me permet de tourner tout de suite le cours parce que je suis déjà bien armé. Et rendez-vous à la prochaine Mishnah. Kol Tuv Sela.